Merci tout le monde. Maintenant, nous sommes encore en direct et à ce mini studio du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Et Kounia nous gagne avec nous et un autre chercheur qui travaille dans le projet recherche, M. Gaël Bressois. C'est un professeur universitaire qui a une maîtrise dans le food science, sciences de l'agriculture et de la production aussi, donc qu'il a fait dans l'Université de Florida. Donc c'est madame ou mademoiselle? Madame. C'est madame Vicni Léante, que nous avons avec nous. Bonsoir, madame Léante. Bonsoir. C'est un plaisir pour que nous recevions dans le mini-studio ça, du Fonds BRH pour la recherche et le développement. D'abord, quittez-moi d'autre rapidement. Avec quel sentiment que vous participez et dans l'activité ça que BRH a fait jeudi? Avec quel sentiment? Avec un pile cœur content, parce que c'est la première fois que je participe à un événement comme ça, surtout en Haïti. OK. Et pour nous-mêmes qui chercheurs, c'est un bagage qui bat nous l'espoir, qui montre nous que travail nous a, les gens qui suivent son affaire, qui prennent en considération et que c'est important pour quelques monde. Nous espérons tout que gens de événements ça aura les mener. Plus monde vini pour qu'abaille lumière sur son affaire, pour qu'a montrer que en Haïti c'est pas seulement au produit, mais nous-mêmes tout nous faire recherche et nous qu'a innover. Ah ok, très bien. Maintenant dans maîtrise côté fait dans sciences de l'alimentation, est-ce que un aspect particulier ou c'est qui très intéressant qui va permettre à Haïti nous faire des recherches au niveau de l'agriculture et résoudre un ensemble de problèmes au niveau de l'agriculture là? Qui ça l'homme on fait maîtrise dans sciences de l'alimentation, qui ça brièvement que comme si ouais et dans sciences ça? OK. Moi-même et branche pamnan était plus en rapport avec transformation et puis production. Okay. Donc c'était une branche que moi jugeais qui vraiment important pour Haïti, parce que gampil denrées que si nous produisons, nous pas transformer, soit par manque de technique ou du moins pas en manque de moyens ou autre chose. Okay. Donc avec en maîtrise comme ça, il était permettre moins que des gains des théories ou du moins justement des théories que m'te noir que m'ka appliquer. Et justement dans maîtrise que m'te fait, moi t'ai fait spécifiquement son sujet qui était lié avec Haïti, qui était utilisation pitimi pour faire production pâte alimentaire et qui gens côté améliorer résultat pâte pitimi. Donc faire farine avec pitimi. Alors ou faire farine avec pitimi, oui, mais kounya m'te vle utiliser pour te faire un spaghetti. Parce que l'idée, c'était pour te spaghetti pitimi qui t'a fait remplacer spaghetti blé. Ah, okay. Mais alors c'est un processus qui vient à tout challenge pal. Okay. Et donc il était vraiment appliqué et le but c'était que après l'homme tourner pour me appliquer au résultat recherche là en Haïti pour me avancer ou du moins innover. Ah OK, très bien. Maintenant si notre projet recherche ça que on travaille là, c'est l'augmentation de la productivité et de l'expansion des filières céréales et protéagineuses qui a été pilotée par M. Gaël Bressois de l'Université Kiskeya. Donc, participation dans le travail, recherche ça, qui ça que lié exactement, qui ça que comme ou fait dans le travail, recherche ça, et vous pouvez partager ça avec le public là directement. OK. Alors, avec Kiskeya, il y a un centre de recherche qui a plusieurs domaines. Il y a un domaine génétique, un domaine petite mécanisation, il y a un domaine production animale, il y a un domaine sol tout, et il y a un domaine technologie alimentaire. Donc, dans le domaine technologie alimentaire, là, c'est moi-même qui est responsable du département. Ça. Donc, tout, alors, dans le projet fonds de développement BRH, là, tout ça qui a un rapport avec transformation et alimentaire ou du moins développement de technologie agroalimentaire, c'est moi-même qui responsable avec pour le groupe de Gaël Pressois. OK, très bien. Donc développement de nouveaux procédés, tests, etc., développement de produits qui c'est un bagage que nous faisons pile, et c'est deux nos produits que nous développons que nous faisons une démonstration. Ouais. Et quel de produits ça? Deux produits, c'est un jus. Okay. Aqua Congo. Aqua Congo, oui, moi, M. Bressois, tu as parlé de ça. Justement. Donc, c'est un jus Aqua Congo que nous développons. Donc, c'est pas un boisson qui est tout fait, c'est un pot de jus. Alors, nous faisons pot de jus, c'est pour le conserver sur plus longue durée. Okay. Donc, c'est l'homme qui a parlé pour le boire de jus, on a pris le mélanger avec l'eau, pour le faire. OK. On peut mettre l'être là-dedans? On peut mettre l'être là-dedans, souvent, mais il n'y a pas besoin de l'être. Parce que, alors, nous utilisons Aqua Congo pour le remplacer. Fonctionnalité de l'être langue et énergie. Bien sûr, nous ajoutons épices, nous ajoutons goût pour améliorer. Mais, you know, moi, que les gens qui goûtent au fait, c'est que, ah, il n'y a pas de goût pour le Congo. Ah, combien de temps je vois le Congo, comprenez? Donc, ça, c'est une plus belle bagaille qui est arrivée lorsque le développement de produits, lorsque le public, lorsque le produit arrive sur le public.
très bien. Non, ça me pense ça très intéressant. Maintenant, mettre l'orphine prend pour de l'eau mélanger avec gloire ou faire juia, il pas qu'à faire pile temps et dehors combien de temps qu'il capable faire comme ça pour alors l'expirer. Alors, les tout n'est un jus normal, tant qu'on jus normal. Alors, okay. L'idée est sortie de jus collé que nous avons fait, que okay. Normalement, on peut le bouillir, que ce soit pomme de terre, lame ou spaghetti ou autre chose, et puis après, on peut le blender. Et puis, on peut le boire jus collé. Mais nous-mêmes, nous devons éviter pour faire tout le processus ça. Okay. Donc, nous-mêmes, nous préparons une poudre que nous avons juste et mélanger avec mélanger l'eau ou l'ait. Okay. L'eau, pareil pour le boire jus, et puis, nous avons même le boire. Mais à partir du moment que nous avons fini de mettre de l'eau en jus, donc, il vient tout dans le jus normal, donc il n'y a pas vraiment gain avantage au niveau de plus de temps que le café sans que le pas gaspiller. Okay. Donc ça veut dire là, il y a des expérimentations qui fait comme ça, à côté que des produits n'a transformé en des farines ou bien de l'autre produit que mon capable utiliser pour la consommation. Donc il y aurait été dans niveau expérimentation, donc pourquoi vraiment gagner des investisseurs qui dit OK pour qu'on gros ça, donc m'a investi là-dedans, m'a produit à grande échelle pour que nous vendions sur le marché national ou international. Pourquoi gagner ça? Alors, ça qui arrive, c'est que en pile fois, le on monde pense à produit local, il y a toujours elle dans premier échelle, en premier niveau, c'est-à-dire de producteur là qui va le vendre avec consommateur là. Il y a pas vraiment ouais transformation et encore moins transformation à grande échelle. OK. Donc, premier bagage qui pour arriver, hein, c'est pour comme si fait mon fil à la pour dire mais son café avec mais son pas imaginer que café mais ça que nous même que nous café mais qui j'ai arrivé sous public là donc kounya mon connaît que gagne un produit qui est rentable. Ça c'est la première chose. Maintenant la deuxième chose c'est que avec produit ça comme nous pas développer pour compte nous c'est en partenariat avec BRH, avec Kellogg et autres et organismes qui voulaient ou même déjà utiliser dans des programmes de cantine scolaire. Donc, et quelque part, si on produit qui déjà grand marché, peut-être pas un marché commercial, je n'ai pas attendu que grande entreprise qui va le venir, qui va le produire, mais ça n'empêche pas non plus que c'est une possibilité. Ok, très bien. Donc maintenant, et après Poids Congo avec Pitimi, est-ce que il y a d'autres produits que nous envisageons de transformer? Oui, par exemple, et on a solutionné un partenariat avec OIT, Organisation internationale du travail, et on a poudre et de Tom Tom instantané que on a fait une démonstration sur stage. Donc, avec la véritable. Oui. Yeah. On poudre l'âme véritable. Alors, fond font une différence parce que y a farine véritable là, qui est déjà disponible sur le marché hein, et que malheureusement qui pas assez qu'on pas valorisé assez. Donc nous même ça nous fait c'est que avec poudre ça moun ça le lit ajouté en de l'eau tiède puis qu'a reconstitué en tom tom. OK. Donc il pas besoin alcaler l'âme dans pilel bouillir pilel mais c'est juste poudre là il prend il mélanger là avec de l'eau tiède et puis il brasser et puis la ballon tom tom normal. Il va pas l'empiler dans pilon va ça. Pas rien va comme ça. On va pas bagaille c'est juste au prince petit sachet ou décacheter lié pour mesurer de l'eau et pour battre lié et puis bâton. Mon Dieu, mieux t'as content. Pardon? Mon Jérémy, tu es content? Oui, mon Jérémy, je suis content. Ah, okay. Donc, ça, c'est un produit. Nous avons tous des véritables. Produit véritable. Après, véritable, qui est l'autre produit. Nous alors, d'autres produits qui n'ont pas à base de véritable. Par exemple, maïs, par exemple. Nous ne travaillons pas sur maïs. Nous travaillons en fonction de, puisque nous avons des bailleurs, donc bailleurs, des fois, nous avons des préférences, des exigences. Par exemple, véritablement, c'est un fruit qui gaspille en pile. Petit mien, nous avons besoin de travailler sous lit pour nous joindre d'autres débouchés, poids Congo en tout, comme nous déjà travaillons sous poids, etc. Mais nous avons des produits, ou enfin, nous avons des projets pour patates. Oh, Mayotte, patate Mayotte. D'ailleurs, avec variété patate que a développé qui des vitamine A, nous veut utiliser autant pour intégrer au plus dans alimentation. Ah OK. Go patate tu parlais de lien pile bon. Patate ça vient. Par contre si vous faites deux jours parce que ça n'a tellement de problèmes. Par contre si mon ça vient patate ça. Mais quoi là le sorti vraiment bon. Par contre tu as information sur ça, aller du patate ça vient. Par contre ça vient sorti vraiment. Bon, par contre mais c'est non au Bali et il est toujours là. Son patate qui toujours là que toujours produit. OK, patate manioc. Parce que ça très intéressant. Maintenant, et bon, le mot de la fin, qui s'accorde en termes de perspective pour recherche en Haïti, est-ce que vous pensez qu'avec la mise en place de ce fonds, BRH pour la recherche et le développement, donc c'est est-ce que vous pensez qu'il y a une pression qu'on gagne, est-ce que vous pensez que ce n'est pas quand même important dans la promotion recherche en Haïti et tout ça? Bien évidemment, parce que j'aime te dire au commencement, c'est peut-être
une rare institution publique haïtienne qui a fondé des recherches et qui fait, et en plus qui mettait des structures et qui même vulgarisait assez parce que là nous avons une journée scientifique. Donc pour nous, c'est premier pas et nous espérons que ça ouvert, alors nous espérons que l'autre entreprise de la Poibirage, tant qu'on leader, qui a ouvert en manche et qui au même tour, il a monté notre rien pour nous piquer vite devant. Merci. Merci. Merci, madame Vicni Léandre, qui était avec nous depuis ce mini-studio du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Madame Vicni Léandre, qui est professeure à l'Université Kiskeya et qui a une maîtrise dans food science, food and production science, donc science de l'alimentation et de la production de l'Université de Floride, donc qui a travaillé dans le projet recherche ça que M. Gaël Pressoir de l'Université Kiskeya a tout la piloté. Donc c'est un plaisir pour nous être ensemble avec nous et dans le cadre de séances d'interview ça qui a organisé à l'occasion de cette première journée des journées scientifiques, de la première édition des journées scientifiques du Fonds BRH pour la recherche et le développement organisé par la Banque centrale. Donc je vous remercie tous et toutes, restez branchés pour la suite de la programmation. Merci.